Et yo les gens, c'est DiaboloFit35, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Ne choisissez pas la mauvaise. Et aujourd'hui c'est la mauvaise pyramide. Du coup j'espère un épisode qui va vous plaire, puisque les pyramides, voilà, c'est du totalement inédit sur ma chaîne YouTube. En gros on a trois pyramides, celle de Homer Simpson qu'on va retrouver après l'épisode 3h du matin. Donc voilà, Homer Simpson va parler et c'est la dernière pyramide qu'on va faire. Du coup je vous conseille vraiment de rester jusqu'à la fin. Ensuite on aura la pyramide de Oggy les cafards. Du coup bah je pense, voilà, un nouveau personnage qui risque de vous plaire. Et en fin de compte pour terminer on aura Lincoln Loud. Alors du coup bah on va pas terminer par Lincoln Loud, mais en gros on va commencer par lui. Et du coup ça va vraiment être très cool. Si tu me découvres sur cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche de notification, ça me fera extrêmement plaisir. En plus de ça tu seras au courant de toutes mes prochaines vidéos, tu n'en louperas plus aucune. Et tu feras partie de la team zombie. La team zombie c'est tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube. Tu peux aussi mettre ton plus gros pouce bleu à 500 pouces bleus sur cette vidéo. Ne choisissez pas, je me ferai un plaisir de refaire un épisode de Ne choisissez pas. Du coup c'est parti les gars, je vais me mettre en game mode survival et on va tout de suite aller voir Lincoln Loud. Bon en fait pas besoin, je verrai s'il y a une épreuve où faut se mettre en mode survival, mais bon let's go voir Lincoln. Lo. Attendez, je vais refaire mon entrée parce que je dis lo. Yo Lincoln, comment ça va? Est-ce que ça va bien depuis la dernière fois? Yes. Ok, la dernière fois je t'ai invoqué à 3h du matin, t'étais extrêmement vénère. Là ça a l'air d'aller, en tout cas c'est cool Lincoln. Est-ce que ça fait plaisir de me voir ici? Moi, DiaboloFit35, voilà. Est-ce que d'ailleurs vous êtes des fans du dessin animé Lincoln Loud? D'ailleurs, on va faire une petite bataille de commentaires, genre, quel est votre dessin animé préféré entre Lincoln Loud, Homer Simpson, enfin Homer Simpson, les Simpsons du coup, et Oggy et les cafards. Du coup, voilà, vous me dites le dessin animé préféré et pourquoi c'est votre dessin animé préféré. Du coup, voilà, on va faire un petit peu le tour de la base de Lincoln Loud. Donc voilà, c'est sous la pyramide, donc... Il y a une grosse hauteur sous plafond, c'est plutôt cool. Alors ici on a un gros canapé orange bien stylé, voilà, avec la petite plante au bout, la petite fleur. Là ici on a une petite table, bon il n'y a pas de chaise par contre, mais voilà, on peut manger et tout au calme. Là on a une grosse télé, voilà, quand t'es calé dans le canapé, voilà, tu t'es mal à la télé et tout, c'est lourd. Et là enfin la grosse armoire, franchement c'est très très stylé. Franchement j'apprécie beaucoup Lincoln, c'est vraiment très lourd. Du coup voilà, alors Lincoln par contre je crois qu'il te manque un truc. Et d'ailleurs c'est la mission que tu vas me proposer aujourd'hui, n'est-ce pas? Attends, il est passé où Lincoln? Lincoln? Il est là, ok. Alors, mission construire un lit pour Lincoln Loud. Ok, d'accord, alors Lincoln, ce que je te propose c'est que je fasse... Ah ouais, ici il y a de la place, ah ouais t'as raison, en vrai ici il y a trop de place. Vas-y je vais te faire le lit, alors vas-y je vais me mettre... Heureusement je suis resté en game mode créatif parce que du coup je vais pouvoir lui faire le lit ici. Du coup voilà c'est parti, let's go, on va faire le lit le magnifique, voilà. Alors vas-y, hop, je vais mettre dans ce sens là, bam 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 bam, tac 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 tac. Et puis voilà, on va mettre des petits lits. Alors, ici, attendez, hop, c'est bon, comme ça, non c'est pas top, bam bam. Alors là c'est vrai que le lit il est un petit peu simple, en tout cas déjà t'as un bon petit lit Lincoln. Mais voilà, le lit il est encore très simple, du coup bah, je vais essayer de te faire vraiment un truc très très lourd, tu vois. Genre hop, comme ceci. Voilà tu vois là genre il a un petit lit quand même tranquille. Ici tu vois on va mettre genre petite entrée, tu vois ici comme ça. Là du coup ici on va mettre des fences, genre pour monter en gros une petite hauteur du lit, hop. Et là en gros ce qu'on va faire c'est que on va mettre genre vraiment une entrée genre ouais avec des carpettes et tout. Alors du coup je sais pas si je vais pouvoir faire ça. Franchement je le fais en mode totalement freestyle les gars. Voilà bam 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 bam. Voilà, c'est mode gros freestyle mon lit. Je peux casser normalement ceux qui sont en dessous. Voilà, comme ça. Là, bam, 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 bam. Bam, voilà. Et là, je vais mettre des petites carpettes orange. Voilà. Tac. Ok, là, je peux pas en mettre par contre. Mais du coup, je peux en remettre quand même ici. Ça, c'est cool. Voilà. C'est exactement ce que je voulais. Tac, tac, tac. Et du coup, là, on a un petit truc protégé. Alors, faut juste que je mette un string de plus ici. Voilà. Et là franchement voilà on a un lit plutôt cool. Alors Lincoln viens me dire ce que tu en penses du lit. Ah d'ailleurs il pleut dehors. Attendez je vais utiliser mes commandes de dieu pour arrêter la pluie. Donc voilà c'est bon j'ai mis le beau temps. D'ailleurs le soleil est en train de se coucher donc je vais mettre le jour aussi. Voilà c'est parfait les gars. Bon alors Lincoln qu'est-ce que tu penses de ton lit? Attends on va le voir. Alors franchement beau lit, est-ce que t'es content de ton lit? Yes, ok nice les gars, il est content de son lit. Du coup ça fait vraiment plaisir. Franchement Lincoln ça me fait plaisir, voilà que t'es content de ton lit et tout. Bah franchement vraiment ça fait plaisir. Est-ce que tu vas mieux dormir comme ça Lincoln? Yes, ok les gars bah franchement c'est parfait. Bon bah voilà les gars, une bonne mission de réussite avec Lincoln.
Moi, je vais tout de suite aller voir de suite, eh bien, notre ami Oggy de Oggy et les Cafards. D'ici là, je te souhaite une très bonne journée, Lincoln. C'était vraiment un plaisir d'être passé chez toi. Donc voilà, à plus, Lincoln. Et puis, on se retrouve très bientôt. Allez, à plus. Let's go, les gars. On va tout de suite aller voir Oggy, les gars. Donc c'est parti. Je vais mettre en game mode survival. Puis on va aller voir Oggy. Donc voilà, les gars, je suis en game mode survival. Oggy. Ouais. Yes, les gars. On est enfin avec Oggy de Oggy et les Cafards. Ça m'a été beaucoup demandé, notamment par Lorenzo Lep. Voilà, c'est son pseudo. Donc voilà, chaque épisode, tu me disais, je suis vraiment déçu, il n'y a pas Oggy et les Cafards. Franchement, voilà, j'espère que tu verras celui-ci parce que voilà, cet épisode, je le fais surtout pour toi aussi. Parce que voilà, donc surtout, voilà, je lis tous vos commentaires. Donc n'hésitez surtout pas à commenter, me dire quel personnage vous voulez, tout ça. Parce que franchement, au bout d'un moment, je vous écoute. Et donc voilà. Donc là, franchement, nouvelle petite base, nouveau personnage. Oggy, est-ce que t'es content d'apparaître dans mes vidéos? Alors, il est ultra speed, c'est Oggy. Faut que je le poursuive. Oggy, Oggy, ça va, t'es content d'apparaître dans mes vidéos? Qu'est-ce que vous pensez d'Oggy d'ailleurs? Moi je le trouve plutôt plutôt stylé. Donc voilà, ça fait plaisir. Alors la base d'Oggy, c'est un peu le bordel. Il y a un arbre totalement au milieu de ta pièce. Il y a un arbre ici en fait. Ok, au calme. Alors ici, petit canapé bien stylé. Franchement, je kiffe le design du canapé. Avec le petit dégradé de neige et tout. Lourd. Le piano. Ah ouais, le piano il envoie de fou. Ah ouais, franchement je kiffe le piano hein. Ah, franchement, elle donnait une petite note sur 10 au piano. Parce que franchement, je trouve qu'il envoie, il est stylé le piano. Il est vraiment lourd. Franchement, beau piano, les gars, et c'est vraiment très cool. Donc, franchement, j'apprécie beaucoup ce petit piano. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, ici, on a. Ouais, franchement, on a franchement du lourd. On a une belle petite. Un petit couloir, tout ça. Alors, j'allais lire la mission. Mission réalisée, un combat PVP contre Oggy. Ok, Oggy. Oggy, donc, faut que je fasse un combat PVP face à toi. Attends, il est passé où, wesh? Oggy. Il est là. Tiens, on fait que de se perdre avec lui. Alors, Oggy, vas-y, faut qu'on fasse un gros combat PVP. Je suppose que tout le stuff il est là-dedans. Ah, ouais, ok, il y a tout le stuff. Donc, un stuff diams. Vas-y, je vais tout m'équiper. Donc, voilà, Oggy, je suis équipé. Alors, franchement, je pense qu'on peut faire le combat dans ta maison. Genre, un peu comme vous faites dans tes épisodes. Je pense qu'on peut faire vraiment le combat dans ta maison. Genre, on se poursuit et tout dans le couloir. Ça peut être vraiment drôle. Donc, vas-y, si t'es chaud, Oggy, tu me dis, vas-y. Attends, il est où? Et Oggy, t'es chaud pour faire ça dans ta maison? De toute façon, on t'en fout à chaque fois, c'est le gros bordel. Vas-y. 3, 2, je vais manger un petit peu moi les gars. 1, let's go. Let's go, let's go, ok. Alors déjà, il a pris le briquet. Aïe, aïe, aïe. Ok, c'est bon, je lui mets un petit combo. Ok, il est passé par où? What? Ok, il est parti bouffer un steak. Non. Ah, il m'attendait de l'autre côté. Non, ok, c'est bon, il m'a pas vu de l'autre côté. Ok, il est passé où? Je l'ai même pas vu. C'est bon, j'ai réussi à lui mettre feu. Non, ok, ok, c'est bon, je lui mets un petit combo. Allez, je sais pas du tout où j'en suis. J'ai mangé. Ah, il vient pas dans le couloir, les gars. Yes. Non. Ok, oh, aïe, 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 je suis en train de prendre cher. Ok, sauf qu'il prend les demi-coeurs en plus du feu. Est-ce que je vais avoir? Oui, c'est bon, j'ai eu Oggy, les gars. Ah yes, c'était vraiment chaud. Ça va, on a pas trop cassé sa maison. What? Vous avez bien vu le bloc qui est en train de se casser là? Je suis pas fou hein. Il y avait un bloc qui est en train de se casser, wesh. Enfin, en tout cas, vas-y, je vais téléporter Oggy ici. Ah non, c'est moi, il est déjà de retour. Salut Oggy. Alors, remis de cette défaite. De toute façon, je sais que toi tu t'en fous, t'es pas un. Et oh, tu te calmes. Je sais que de toute façon, t'es pas un joueur PVP, franchement, tu vois. T'étais plus là, genre pour le fun et tout. Du coup, voilà, j'espère que ça t'a plu de Oggy de passer dans ma vidéo. Que c'était marrant. Ouais, franchement, on a fait une belle petite course poursuite. On a fait un bon petit PVP. Donc, voilà, on va tout de suite aller voir Homer Simpson. Oggy, je te dis à plus. Vas-y, à plus, Oggy. Et puis, ça va être. On va aller voir Homer. Et puis, ça va être vraiment marrant parce que, voilà, Homer, la dernière fois, bah, on l'a entendu parler et tout. Et franchement, bah, c'était vraiment stylé. Du coup, voilà. À plus, les gars. Enfin, à plus, les gars. À plus, Oggy. Et puis je vais tout de suite aller voir Homer. Allez, à plus. Donc c'est parti, on va tout de suite aller voir Homer Simpson. Donc je vais mettre en game mode survival. C'est bon, je suis en game mode survival. Yo Homer, comment ça va? Punaise. Qu'est-ce qu'il y a Homer? Qu'est-ce qui se passe Homer? J'avais pas donné. T'as plus à manger Homer? Punaise, diablo. Je crois que Homer a plus du tout à manger les gars. Alors, Homer, c'est vide chez moi. Hey Homer, t'as plus rien à manger en fait chez toi, c'est ça? J'ai la flemme de sortir. Tu veux que j'aille chercher de la bouffe pour toi? Tu veux que j'aille chercher? T'arrives pas à passer? Tu veux que j'aille? Ah, t'arrives pas à passer dans la porte? Mon cul il est trop large. Est-ce que tu veux que je t'aide à aller chercher de la bouffe? Oui, il a trop les crocs. D'accord, vas-y, il a trop les crocs Homer. Du coup, je vais prendre en gros dans ce petit coffre là. C'est une épée.
il y a une épée et du charbon. Ce qui fait que je vais pouvoir aller chercher à manger pour Homer. Vas-y Homer, je vais tout de suite chercher à manger. En attendant, je vais faire une sieste. Vas-y, bonne sieste Homer. Bon les gars, faut que je trouve des animaux à tuer et en gros, bah à manger du coup, en fin de compte. Let's go, du coup là ici j'ai trouvé un petit mouton, je vais essayer de trouver un peu de tout. Genre là, il y a des moutons, là-bas il y a du cochon, ensuite il y a une poule. Voilà, franchement on est yimbe, hop c'est bon, le petit cochon. Ah là-bas il y a même un village, attendez les gars, yes, il y a même un village, on va tout de suite aller voir le village. Parce qu'à mon avis dans le village, bah il y aura des carottes, il y aura de quoi faire du pain et tout, ça c'est vraiment trop lourd les gars. Voilà, il y a même des betteraves et tout. Ah, je crois qu'il y a trop plein de trucs dans le village, les gars. On a trouvé vraiment le meilleur endroit pour trouver à manger pour Homer Simpson. Donc, c'est bon, les gars. J'ai du blé et tout. Voilà. Là, j'ai de la betterave. C'est bon. Plein de betteraves pour moi. Du pain. Let's go. C'est bon, encore une fois. Hop, de la betterave encore. Des carottes. Et puis, en plus, on va pouvoir se faire du pain. Ça, c'est vraiment trop lourd, les gars. Je casse tout, hein, vraiment, on s'en fout. On a même des patates, les gars. Ah ouais, mais vas-y, il y aura trop de bouffe. C'est trop bien. Hop, hop, hop. Là, pareil ici. Alors, bon, je viens de mettre un petit coup au PNJ. Est-ce que on a... Non, on n'a pas de... On n'a pas de table de craft. Peut-être qu'il y en a ici. Attendez, je vais voir, parce que parfait, il y a de la bouffe aussi, ici. Ouais, on a v'là du pain. On a des pommes et tout. Ah ouais, on a commencé à avoir v'là de la bouffe. Regardez, attendez, je vais vous montrer ça vite fait. Regardez toute la barre que j'ai en bas. Eh bien, c'est de la bouffe. Par contre, je sais plus où il est, Homer, les gars. Oh non. Attendez, parce que je sais plus... Je commence à avoir faim, moi. Il y a Homer qui a faim en plus, je crois. On l'a entendu vite fait. Mais par contre, je sais plus du tout où il est, Homer, les gars. What the fuck, je sais plus du tout où il est, les gars. Attendez, faut que je retrouve par quel endroit je suis arrivé pour retrouver Homer. On l'entend de loin, les gars. Il faut que je le retrouve absolument. C'est bon, les gars, j'ai retrouvé la pyramide. Du coup, je vais filer toute la bouffe à Homer. Je vais mettre à cuire la viande, bien évidemment. Hop, je vais la mettre à cuire ici. Homer va toujours pas sortir. Hop, c'est bon. Je mets de la bouffe, voilà. Tac. Allez, cuit, mon petit steak. Tac. Là, je vais séparer en plusieurs morceaux. Voilà. Bam. Et bam, ici. Alors, du coup, tiens, max de légumes pour toi. Mais tu me crois que je suis un lapin, ouais. C'est vrai qu'il aime pas les légumes, les gars. Ok, c'est vrai qu'il est... Homer... De légumes dans les picots encore. C'est notre boulot. C'est vrai qu'Homer, il aime pas les légumes, les gars. Du coup, bah faut qu'on lui fasse de la viande. C'est bon, il y a de la viande ici. Il y a de la viande ici. Il y a de la viande ici. Tiens, Homer, tiens, de la viande. Voilà, plein de viande pour Homer. Eh Homer, t'as une petite trappe, t'as un accès au plafond en fait, t'as quoi là-haut? C'est là où Marge elle a foutu tous les légumes. What? Attends, je vais regarder quand même. Donc c'est bon, je suis au grenier, alors qu'est-ce qu'il y a dans ces coffres-là? What? Mais attends, mais Homer, t'as trop plein à manger, tu m'as mytho en fait. Je suis pas là. Eh Homer, attends, t'es passé où là? Parce que t'avais trop plein à manger. Eh, hey, te cache pas, t'avais plein à manger hein. Bon les gars, c'est pas grave. En tout cas Homer, au moins je lui ai amené un petit peu à manger. Essaye de manger des légumes, c'est bon pour la santé en vrai Homer hein. Je suis pas un lapin. Ouais mais je m'en fous, faut que t'en manges quand même. Bon les gars, en tout cas ça faisait plaisir. Homer était joué par Fan de Chat. Sa chaîne est toujours en description et en top commentaire à chaque fois. Enfin je l'épingle. Du coup voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne YouTube. Tu m'as même désabonné. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là je vous dis bye tout le monde les potos. Et puis voilà, allez, bye tout le monde les potos, je vous aime.